Please be seated. The seating is open. The court meets today to begin the oral proceedings in the case concerning maritime delimitation in the Indian Ocean, Somalia versus Kenya. This afternoon, as well as tomorrow afternoon, the court will hear the oral arguments of Somalia. Owing to the ongoing concerns and restrictions related to the COVID-19 pandemic, the court has decided to hold these oral proceedings in a hybrid format under Article 59, Paragraph 2 of its rules. The court will continue to fulfill its mission through all of the means at its disposal, pending the normalization of the public health situation. The court has taken great care to ensure the smooth conduct of this hybrid hearing, which takes place via the WebEx platform. Both parties were invited to participate in 3 rounds of technical tests over the course of the past week. The court is grateful to Somalia for the participation of its delegation in these tests, which were comprehensive and included, for example, tests of the interpretation system and the process for displaying demonstrative exhibits, such as PowerPoint slides and maps. However, these tests, while they reduce the risk of technical difficulties, cannot eliminate them. In the event that we experience any such difficulty, such as a loss of audio input from the remote participants, I may have to interrupt the hearing briefly to allow the technical team to solve the problem. In a hybrid hearing such as this one, all judges are able to view the speaker and any demonstrative exhibits, regardless of whether they are in the Great Hall or joining via video link. I would like to note that the following judges are present with me in the Great Hall of Justice. Vice President Gavorgian and Judges Tomka, Benuna, Yusuf, Shui, Sabatinde, Iwasawa, and Nolte, while Judges Abraham, Bandari, Robinson, and Salam, and Judge Ad Hoc Guillaume are participating by video link. For reasons duly made known to me, Judges Consado, Trindade, and Crawford are unable to sit with us in these oral proceedings, either by person or by video link. For this hybrid hearing, the registrar informed both parties that each party could have up to 4 representatives present in the Great Hall of Justice at any one time, and that the court would make available, should a party so desire, an additional room in the Peace Palace from which other members of the delegation could participate via video link. He also informed the parties that participation via video link would be available to members of each delegation who would not be present in the Peace Palace. I shall now briefly recall the principal procedural steps in the case. On 28 August 2014, the Federal Republic of Somalia instituted proceedings against the Republic of Kenya concerning a dispute in relation to, I quote, the establishment of the single maritime boundary between Somalia and Kenya in the Indian Ocean, delimiting the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf, including the continental shelf beyond 200 nautical miles, end of quote. In order to found the jurisdiction of the court, Somalia invoked the declarations made pursuant to Article 36, Paragraph 2 of the statute of the court by Somalia on 11 April 1963 and by Kenya on 19 April 1965. By an order of 16 October 2014, the President of the Court fixed 13 July 2015 as the time limit for the filing of the Memorial of Somalia and 27 May 2016 for the filing of the Counter-Memorial of Kenya. Somalia filed its memorial within the time limit so prescribed. On 7 October 2015, Kenya raised preliminary objections to the jurisdiction of the court and to the admissibility of the application. Consequently, by an order of 9 October 2015, the court, noting that by virtue of Article 79, Paragraph 5 of the Rules of Court, the proceedings on the merits were suspended, fixed 5 February 2016 as the time limit for the presentation by Somalia of a written statement of its observations and submissions on the preliminary objections of Kenya. Somalia filed such a statement within the time limit so prescribed, and the case thus became ready for hearing in respect of the preliminary objections. Since the court included upon the bench no judge of the nationality of Kenya,
Kenya availed itself of its right under Article 31, Paragraph 2 of the statute to choose a judge ad hoc. It chose Mr. Gilbert Guillaume, who was duly installed in the present case on 19 September 2016 at the opening of the hearings on the preliminary objections raised by Kenya. Public hearings on the preliminary objections were held from 19 to 23 September 2016. By its judgment of 2 February 2017, the court rejected the preliminary objections raised by Kenya and found that it had jurisdiction to entertain the application and that the application was admissible. By an order dated 2 February 2017, the court fixed 18 December 2017 as the time limits for the filing of Kenya's countermemorial. That pleading was filed within the time limit thus prescribed. By an order dated 2 February 2018, the court authorized the submission of a reply by Somalia and a rejoinder by Kenya and fixed 18 June 2018 and 18 December 2018 as the respective time limits for the filing of those pleadings. The reply and rejoinder were filed within the time limits thus prescribed. The court originally scheduled public hearings on the merits of this case from 9 to 13 September 2019. Following a request from Kenya to postpone the hearings and taking into account the views expressed by Somalia, the court decided to reschedule the oral proceedings to the week of 4 November 2019. Subsequently, having considered a request of Kenya to postpone the hearings as well as the views expressed by Somalia, the court rescheduled the hearings to the week of 8 June 2020. On 18 May 2020, following a request by Kenya for a postponement of the oral proceedings owing to the COVID-19 pandemic, and having considered the views presented by the parties, the court decided to reschedule the hearings to the week of 15 March 2021. By letter dated 28 January 2021 and received in the registry the same day, the agent of Kenya, referring to, I quote, serious difficulties in preparing for the hearing due to the ongoing global COVID-19 pandemic, end of quote, and expressing concerns about proceeding with hearings by video link, requested, I quote, that the hearings be postponed until such a time as the pandemic conditions would have subsided, end of quote. Having considered the arguments presented by the parties on this request for postponement, the court decided to maintain the hearings as scheduled in a hybrid format. By letter dated 22 February 2021 and handed to the registry on 5 March 2021, the agent of Kenya informed the court that his government wished to file, I quote, new documentation and evidence, end of quote. He referred to Article 56 of the Rules of Court and provided certain explanations in justification of the request. Submitted with the agent's letter were Appendix 1, accompanied by 2 annexes and 11 exhibits, and Appendix 2, consisting of 8 volumes with 197 annexes. The agent's letter explained that Volume 1 of Appendix 2 explained, quote, the nature and relevance of the new and additional evidence, end of quote. By letter dated 9 March 2021, the agent of Somalia informed the court that his government did not object to the production of the materials that Kenya wished to submit, except for Volume 1 of Appendix 2. With respect to Volume 1 of Appendix 2, Somalia indicated, however, that it would withdraw its objection if it were given the opportunity to respond to it. The decision of the court with respect to Kenya's requests was duly communicated to the parties by letters from the registrar dated 11 March 2021. In the absence of an objection on the part of Somalia, the court, pursuant to Article 56, Paragraph 1 of the Rules of Court, is not required formally to authorize the production of documents that are the subject of Kenya's application, i.e., Appendix 1 and Volumes 2 to 8 of Appendix 2. These documents have been produced by Kenya on that basis. As regards Volume 1 of Appendix 2, the court decided, having considered the views of the parties and the particular circumstances of this case, to authorize its production by Kenya, it being understood that Somalia would have the opportunity to comment thereon. By letter dated 11 March 2021 and received in the registry on 12 March 2021, the agent of Kenya informed the court that his government would not be participating in the hearings in this case and indicated the reasons for this decision.
The agent requested the opportunity to address the court orally before the commencement of the hearings. Enclosed with the agent's letter was a document of approximately 175 pages in length that was described as a, I quote, position paper, end quote, submitted, I quote, for consideration by the judges, even as the hearing proceeds without Kenya's participation, end of quote. During the evening of the same day, Somalia informed the court that it opposed the two requests made in the letter of the agent of Kenya that the registrar had received that morning. Having considered the views of the parties, the court decided not to grant either of the two requests made by Kenya. The agents of the parties were informed accordingly this morning by letters of the registrar. The court regrets the decision of Kenya not to participate in the oral proceedings. It recalls, however, that the court has available to it the countermemorial and rejoinder filed by Kenya, as well as multiple volumes of materials that were produced by Kenya and which, pursuant to the decision of the court, as communicated to the parties by the registrar's letter of 11 March 2021, are part of the case file. Pursuant to Article 53, Paragraph 2 of its rules, the court has ascertained the views of the parties with respect to the question whether the written pleadings and documents annexed would be made accessible to the public. There being no objection by either party, the court has decided that copies of the written pleadings and the documents annexed would be made accessible to the public upon the opening of the oral proceedings. Further, in accordance with the court's practice, the pleadings and documents annexed will be placed on the court's website from today. I would now like to welcome the delegation of Somalia. I note that the agent and three other members of the delegation are present in the Great Hall of Justice, whereas the co-agent and other members of the delegation will be participating by video link. In accordance with the arrangements for the organization of the proceedings, which have been decided by the court, Somalia will have 3 hours today and an hour and a half tomorrow, Tuesday, 16 March 2021, to present its oral arguments. I further note that, as indicated in the registrar's letter of 11 March 2021, Somalia will have the opportunity by 10 a.m. on 22 March 2021 to file written comments on the materials that were produced by Kenya. In this first sitting, Somalia may, if required, avail itself of a short extension beyond 6 p.m. in view of the time taken up by the opening part of these oral proceedings. I now give the floor to His Excellency, Mr. Mehdi Mohamed Galed, agent of Somalia. Your Excellency, you have the floor. Can I move? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam President, distinguished members of the court, good afternoon. It is an honor and a privilege to represent my country in these proceedings. I come before you today carrying the hopes of the Somali people with me. We have confidently placed matters of utmost national importance in your hands, and we have done so with complete trust in your wisdom and fairness. We have full faith that this court will decide this dispute with our neighbors, our sisters and brothers, justly in accordance with international law. Madam President, members of the court, it was more than 6 years ago that Somalia first came to this court to vindicate its rights under the Law of the Sea Convention. It was not an easy decision. Somalia was and still is recovering after decades of grave challenges. We have endured civil war, humanitarian disasters, and the scourge of terrorism. But step by step, Somalia is putting its house back in order. Since 2012, Somalia devoted the bulk of its energies and very limited resources
in words to critical domestic concerns, including rebuilding public institutions and safeguarding the security of our people. While there remains much that to be done, we have made substantial progress. Rebuilding our house also means tending to our fences with our neighbors. We hoped that it would be possible to settle our dispute with Kenya bilaterally through negotiations. Unfortunately, that proved impossible. Our respective views were too different and too firmly held. That is why we are here today before you. Unfortunately, some of our brothers and sisters in Kenya appear to misinterpret our actions. There are those who view Somalia's decision to initiate and pursue these proceedings as an unfriendly act. For example, at that time, these oral proceedings were initially scheduled to begin. The majority and minority leaders of the Kenyan National Assembly tabled a motion to, among other things, call on the government of Kenya to D, express to the United Nations the Republic of Kenya's protest against the assertion of jurisdiction by the International Court of Justice over the maritime boundary conflict between Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya. And E, explore other lawful and constitutional mechanisms for protecting the territory of the Republic, including deploying the Kenya Defense Forces to the subject boundary to undertake the responsibility of protecting the sovereignty and territorial integrity of the Republic. We understand that passions about border issues are easily inflamed, but the matter of delimitation of the maritime boundary between Somalia and Kenya has been entrusted to the judgment of this most distinguished court. The Charter of the United Nations compels all member states to resolve their disputes by peaceful means, including by judicial settlement. By presenting this application, initiating this case, after negotiations failed, Somalia was carrying out an objective of the Charter by seeking judicial settlement of a dispute that the parties were unable to achieve on their own. And the court itself confirmed the priority of Somalia's recourse to judicial settlement when it agreed that it had jurisdiction over the case. This is as it should be, Madam President, because only with the court's assistance can the impasse be broken, a settlement be found, and legal certainty delivered. We are therefore deeply concerned that Kenya has decided not to appear at these hearings. In Somalia's view, this is inconsistent with Kenya's obligations under the Charter, the statute, and rules of the court. And as a party subject to the jurisdiction of the court in these proceedings, it is also inconsistent with respect for the rule of law. Certainly, Kenya has no grounds to complain about its treatment by the court. Indeed, in Somalia's view, the court has been generous in accommodating Kenya. It granted three requests from Kenya to postpone these hearings for a total of 18 months. It allowed Kenya to submit more than 4 pages of new documents on the eve of these hearings, more than 2 years after the written pleadings in this case closed. The court even allowed Kenya to submit a 315-page supplemental legal pleading, which is not contemplated by the rules, barely 10 days before the start of the hearings. Kenya thus has been afforded
do you process in abundance? Fortunately, it is regrettable decision to boycott the oral hearings cannot prevent them from proceedings, nor can Kenya's defiance prevent the court from fulfilling its mission. And after taking account of both parties' voluminous submission and duly deliberating on them, rendering a final judgment that is final and binding on both parties, which establishes a definitive and permanent maritime boundary between our two states. That judgment is critical to Somalia because it will enable us to secure access to the maritime resources to which the law entitles us, resources that are potentially some of Somalia's most valuable assets. It's vital to ensuring the future stability and prosperity of our nation. Those resources will play a major role in assuring Somalia's continued development in a way that benefits all our people. Madam President, on the merits, this case is actually quite straightforward. Both Somalia and Kenya are parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea. The court has developed a rich jurisprudence interpreting and applying the provisions of the convention regarding the delimitation of maritime boundaries. In case after case, the court has applied the three-step method, and it has now become standard practice. This begins with the drawing of equidistant line from the land boundary terminus. Fortunately, there are no technical, geographical, or other impediments to the construction of the equidistant line from that point. The second step of the process is the examination of the coastal geography for relevant circumstances that might warrant an adjustment to the equidistant line. In Somalia's view, there are none. The coastline is entirely regular, without any anomalous features, and there are no offshore features that distort the equidistant line. The final step of the process is to assess whether significant disproportionality results from the equidistant line. As we have shown in our written pleadings, there is none. There is thus no reason to depart from or adjust the equidistant line. In Somalia's view, the equidistant line is the equitable solution that the law requires. Kenya, of course, would have it differently. It urges the court to depart from the approach followed in every recent maritime delimitation case by adopting as the boundary a line that follows a parallel of latitude rather than an equidistant line. Kenya's main argument is that Somalia has acquiesced in such a line. Madam President, Somalia has never agreed or acquiesced that the boundary should follow a parallel of latitude. Our council today will elaborate on what Somalia definitively showed in its written pleadings. Maritime boundaries cannot, as a matter of law, be established through acquiescence. But even if this were possible under the law, it could not be the case here because the facts demonstrate that Somalia never acquiesced to Kenya's unilateral claim that the boundary was the parallel of latitude. Kenya's argument that the court should adopt the parallel of latitude as the boundary even if Somalia never acquiesced in such a line, to reach this conclusion, Kenya would have the court dispense with the three-step method. Instead of that standard method, Kenya, in its own words, asks the court to apply a, quote, parallel of latitude delimitation methodology, end quote. This is not a methodology that has ever been recognized, let alone applied by the court, or by any other international court
or arbitral tribunal. We cannot help but believe that it has been invented by Kenya. It is made in Kenya for the sole purpose of justifying its claim. It's an obvious contrivance that puts the cart before the horse. It presupposes Kenya's desired outcome, and it is highly prejudicial to Somalia. As such, it fails to produce an equitable solution as the law requires. Madam President, Kenya has not only claimed an extensive maritime area on Somalia's side of the equidistant line, but has also sought to exploit it. In particular, Kenya has authorized exploration activities, including seismic testing and drilling a well in the maritime zone claimed by Somalia. Somalia considers that these activities in a disputed area violate UNCLOS and customary international law. In its written pleadings, Somalia called for full reparation, including compensation for these violations. But we have come before this court in a spirit of peace and goodwill, seeking neither vengeance nor retribution. In this spirit, we have decided not to insist on compensation for past violations of our maritime rights. Madam President, members of the court, it is now my honor to lay out the organization of Somalia's presentations. Following me to the podium this afternoon will be Professor Alain Pellet. He will address Kenya's errors of law on the issue of acquiescence. He will show that it is not possible to establish an international maritime boundary by unilateral action. In the absence of an express agreement or a judicial determination, the establishment of a maritime boundary requires, at very least, tacit agreement. This, Professor Pellet will explain, is an exceedingly high bar to meet, and one cannot be met in the circumstances of this case. Professor Philip Sandys, QUC, will then show why the facts do not support a finding that Somalia acquiesced in Kenya's unilateral declaration of a maritime boundary. The record is replete with contradictions in Kenya's position, including statements Kenya made in oral hearings before the court more than 4 years ago. Members of the court who heard Kenya articulate its preliminary objections in September 2016 will recall that Kenya took the view that the boundary remained to be established, not that it had already been agreed or acquiesced to. The argument that Kenya made before you then is directly at odds with the argument it makes now that a maritime boundary came into existence by virtue of Somalia's acquiescence. Having shown that Kenya's acquiescence argument must fail, Somalia's counsel will demonstrate why the boundary should be delimited by the court's standard, three-step method, and why, in application of that method, an equidistant line is the equitable solution here. First, Professor Alain Mayron will lay out the law applicable to the judicial settlement of maritime boundary disputes, in particular, how international courts and tribunals follow the three-step method to achieve the equitable solution mandated by the 1982 Convention. She will show why Kenya has proffered no plausible, let alone sufficient, reason to deviate from the approach in this case. Next, Mr. Paul Reichler will explain how the standard three-step method leads to the conclusion that an equidistant line is the equitable solution here. He will show that the uncomplicated geographical circumstances relevant to this delimitation make the construction of a provisional equidistant line unproblematic, and that there are no relevant circumstances
meriting the adjustment of that line. He will also show that the solution produced by the adjusted equidistance line does not generate any disproportionality. And he will expose the fallacies in Kenya's approach to delimitation of the maritime boundary and the inequitable result that that approach produces. Finally, Mr. Edward Craven will show how Kenya has violated Somalia's sovereign rights and jurisdiction and breached its obligations under UNCLOS by authorizing and undertaking unilateral activities on Somalia's side of the equidistance line. That will conclude Somalia's first round. At the conclusion of Mr. Craven's presentation, our assistant deputy agent, Mr. Mohamed Omar, will rise to deliver our closing remarks and read Somalia's final submissions. Madam President, members of the court, thank you for your time and courteous attention. I ask that now invite Professor Pellet to the virtual podium. Wallahu waliyu tawfiq, ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nasir. I thank the agent of Somalia and now give the floor to Professor Alain Pellet. You have the floor. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, bonjour. Madame la Présidente, le Kenya a voulu transformer ce qui aurait dû n'être qu'une affaire classique de délimitation maritime en une autre, centrée sur l'acquiescement qu'aurait donné la Somalie à l'amputation de 40% de l'espace maritime lui revenant dans la zone pertinente. Ce faisant, le Kenya torture passablement les principes juridiques applicables à l'acquiescement, ce que je vais m'employer à montrer dans un premier temps. Il sollicite très abusivement les faits pour les faire correspondre à cette vision assez singulière de l'affaire. Philippe Sands établira tout à l'heure les preuves sur lesquelles le Kenya prétend se fonder, et il montrera que ces preuves ne justifient nullement ses revendications. Madame la Présidente, pour danser le tango, il faut être deux. Et les pas des partenaires doivent se refléter et se compléter. Il s'agit de danser ensemble, l'un avec l'autre, et non chacun de son côté. Eh bien, il en va de même lorsque l'on prétend fonder une frontière sur un acquiescement, un accord tacite, un estoppel ou des effectivités. Dans tous ces cas, la frontière ne sera établie que si la position univoque de l'un des États en cause correspond à celle univoque aussi de l'autre État. Et c'est à dessein que j'ai utilisé ces quatre expressions en vrac. Acquiescement, accord tacite, estoppel et effectivité. Non pas que je les crois équivalentes, mais le Kenya, pour sa part, les utilise de manière interchangeable dans un flou artistique. En réalité, elles n'ont pas la même valeur ni la même fonction. D'abord, excluons l'estoppel. On peut avoir des doutes sur la spécificité en droit international de cette notion technique propre au common law, mais sans vouloir entrer ici dans un débat théorique dépassant les limites de nos préoccupations actuelles, je me bornerai, comme la chambre de la Cour dans l'affaire du Golfe du Maine, que je viens de citer, à relever que les mêmes faits étant pertinents, aussi bien pour l'acquiescement que pour l'estoppel, sauf pour ce qui est de l'existence d'un préjudice, on peut considérer les deux notions comme des aspects distincts d'une même institution. Il en est ainsi en tout cas aux fins de l'affaire qui nous intéresse. Et je remarque que dans les deux cas, l'élément décisif est une acceptation claire et constante de la position de l'un des États par l'autre. Pour que l'on puisse parler d'accord tacite, il faut que cette acceptation, cet acquiescement, porte sur des prises de position, elles aussi claires et constantes, exprimées soit dans des textes express, dénués d'ambiguïté, soit à travers certains comportements convergents présentant les mêmes caractères
et traduisant l'ensemble, l'entente pardon, des deux États. C'est alors qu'interviennent les effectivités. Madame la Présidente, un traité suppose un négocium et un instrumentum. Il en va de même d'un accord tacite qui est une sorte de traité, même s'il n'entre pas dans la définition de l'article 2, paragraphe 1A de la Convention de Vienne. Un tel accord n'existe que si une position commune aux États concernés, pardon, c'est l'équivalent du négocium, s'est clairement manifestée et c'est le succédané de l'instrumentum. Or, dans notre affaire, il ne peut faire aucun doute que, faute de traité écrit en bonne et due forme, dont il n'y a évidemment pas trace dans le dossier de notre affaire, la frontière dont nos adversaires se prévalent ne pourrait exister qu'en vertu d'un accord tacite tel que je viens de le définir, établissant un tracé résultant d'accès ou de comportement du Kenya clairement et constamment accepté par la Somalie. Je rappellerai dans un premier temps qu'en matière de délimitation maritime, et à vrai dire en matière de délimitation tout court, tout unilatéralisme est exclu, du moins lorsque les intérêts ou les entitlements, il n'y a décidément pas d'exact équivalent français, lorsque donc les entitlements d'autres États sont en cause. Et j'examinerai ensuite, dans un second temps, les conditions très strictes auxquelles l'existence d'un accord tacite est subordonnée, qu'il s'agisse du comportement de l'État qui serait à l'origine de l'accord tacite en question, ou du positionnement de l'État partenaire. Mesdames et messieurs les juges, en la matière, un accord est d'autant plus indispensable que l'on ne saurait admettre qu'un État s'empare de territoire ou de droit souverain appartenant à un autre État en l'absence d'accord. Il est également parce que, dans le domaine précis qui nous intéresse, la grande règle de toutes les règles est que la délimitation des espaces maritimes entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord, conformément au droit international. Autrement dit, qu'il soit express ou tacite, un accord établissant la rencontre des volontés des deux États concernés est indispensable. La notion d'accord unilatéral n'a aucun sens. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt de 1969 dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, l'opinio juris adhère depuis l'origine au principe selon lequel, je cite la Cour, la délimitation doit être l'objet d'un accord entre les États intéressés. Ce principe, a expliqué la Cour, relève du droit international coutumier. Les articles 15 et surtout 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer l'énoncent fermement, et dans l'affaire du Golfe du Maine, la Chambre de la Cour y a vu un principe, je cite, « d'application générale, valable à l'égard de tous les États, ainsi que par rapport à toutes sortes de délimitations maritimes ». Fin de citation. Ce qui est important, ce n'est pas le caractère écrit ou non du traité établissant la frontière, mais les intentions des parties à cet accord qui, j'y reviendrai, doivent être claires et sans équivoque. C'est vrai aussi pour les accords entraînant un changement de titulaire de la souveraineté territoriale. Comme y a insisté le TIDM, aucun État, et je le cite, ne saurait arrêter ses limites maritimes de façon unilatérale, et celles-ci doivent au contraire l'être par voie d'accord, entre les États concernés ou par le recours aux procédures de la partie 15 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, si les 10 États ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable. Au détour de certaines phrases de ces écritures, le Kenya s'en est d'ailleurs déclaré d'accord. C'est le cas, par exemple, dans ces exceptions, dès ces exceptions préliminaires, où il expose que, je cite, en anglais, « The parties expressly agreed
on a negotiated settlement of their maritime boundary. This was consistent with Kenya's legislations requiring delimitation by agreement with Somalia. It was also consistent with the provisions of UNCLOS. End quote. Comme le Kenya le relève dans son invraisemblable document daté du 22 février, c'est lui qui a initié une réunion avec la Somalie qui s'est tenue à Nairobi les 26 et 27 mars 2014 pour discuter de la frontière sur la maritime sur la base du nouveau différend. Comme l'a fait remarquer avec un grand bon sens la chambre du TIDM dans Ghana contre Côte d'Ivoire, je la cite, « Le fait que des négociations et échanges bilatéraux sur la délimitation d'une frontière maritime se soient tenues entre les parties indique l'absence plutôt que l'existence d'une frontière maritime. » Si un accord est indispensable, et il l'est, il n'est dès lors pas douteux qu'essayer d'établir unilatéralement des limites internationales sans tenir compte de la position juridique d'autres États est contraire au principe reconnu du droit international. C'est ce qui a conduit, vous avez dit dans l'affaire du plateau continental Tunisie-Libye, et c'est ce qui a conduit le tribunal arbitral constitué dans l'affaire des deux Guinées à refuser de, je le cite, prendre en considération une délimitation qui ne résulte pas de négociation ou d'un acte équivalent, conformément au droit international. Or, en l'espèce, la prétendue délimitation a été effectuée par un acte juridique, relevant du seul pouvoir de la Guinée, et susceptible, comme ceux qui ont été pris par cette même Guinée, au nord et à la même période, de faire l'objet de modifications unilatérales. Fin de citation. Or, mesdames et messieurs les juges, c'est très précisément ce que le Kenya voudrait vous faire décider dans la présente affaire. Il vous demande de consacrer le traité unilatéral prétendument adopté par lui, au prétexte du silence, également prétendu, gardé par la Somalie. Ceci revient à mettre en cause le principe fondamental de l'accord dont, je le rappelle, le recours à une délimitation par voie arbitrale ou judiciaire n'est en dernière analyse qu'un succès d'année. C'est que le Kenya est embarrassé par cette exigence d'accord. Il est conscient qu'il n'y a pas davantage d'accord tacite que de traité express fixant le tracé de la frontière et que les conditions très strictes mises par la jurisprudence à l'existence d'un accord tacite, comme d'ailleurs un acquiescement, je vais y revenir, ne sont pas remplis en l'espèce. Du coup, il met la sourdine en ce qui concerne l'existence prétendue d'un accord tacite, dont il s'efforce de parler le moins possible, en tant que fondement de sa prétention frontalière. Et il insiste presque exclusivement sur quelques comportements unilatéraux qu'il impute à la Somalie, et qui constituerait la preuve de l'acceptation, de l'acquiescement ou du consentement de celle-ci. Autrement dit, il se fonde sur des comportements purement individuels et toujours tacites, il ne s'agit que de silence, comme si ceci pouvait constituer des justifications autonomes établissant la frontière défendue par nos adversaires. Mais décidément non, Madame la Présidente, un acte unilatéral n'est pas un traité ou un accord, il n'y a pas de différence de nature, c'est une simple question d'appellation. Comme la Cour l'a souligné dans Tunisie-Libye, essayer d'établir unilatéralement des limites internationales sans tenir compte de la position juridique d'autres États est contraire au principe reconnu du droit international. Selon le Kenya, la délimitation de sa frontière maritime avec la Somalie résulterait de ses propres déclarations unilatérales, jumelées ou non, avec le silence prétendument gardé par la Somalie. Je dis « ou non » car il arrive fort souvent que le Kenya se passe même de ce second temps du processus. Ainsi, par exemple, il n'a pas hésité à affirmer au paragraphe
224 de son contre-mémoire, je le cite, The 1979 EEZ proclamation was thus both declarative and prescriptive and entailed rights and obligations for other states. C'est de l'unilatéralisme à l'état pur et ce n'est pas compatible avec l'exigence d'un accord. Même lorsqu'il l'exprime de manière moins caricaturale, le point de départ de la thèse du Kenya est toujours constitué par ses propres décisions unilatérales. Un exemple parmi d'autres. Au paragraphe 206 de son contre-mémoire, je le cite, « First, in 1979 and again in 2005, Kenya officially notified other states, including Somalia, that the single line of maritime delimitation with Somalia, up to 200 miles limit of the EEZ, followed the parallel of latitude. » End of quote. Le Kenya ne propose pas de procéder à des négociations en vue de délimiter la frontière maritime par voie d'accord. Il informe unilatéralement la communauté internationale du tracé de celle-ci et qu'il a seul décidé. Et les exemples de ce genre abondent. La frontière étant établie par les déclarations kenyanes, il appartiendrait aux autres États de protester contre ce fait accompli. Kenya's case is that Somalia had a duty to react if it opposed Kenya's claims. And Somalia prolonged silence therefore constitutes consent to maritime delimitation based on the parallel line. End of quote. Contraire à l'exigence fondamentale de l'accord, cette position du Kenya justifiant la création de frontières maritimes par un ou des actes unilatéraux est juridiquement indéfendable. En postulant une obligation de protester contre une proclamation, le Kenya renverse la présomption bien établie selon laquelle les actes unilatéraux d'un État ne créent pas d'obligation pour les tiers. La Commission du droit international l'a rappelé dans ses principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États de 2006. Je la cite. Aucune obligation ne peut résulter pour les autres États de la déclaration unilatérale d'un autre État. Cependant, le ou les États concernés peuvent se trouver engagés par une obligation relative à cette déclaration unilatérale dans la mesure où ils ont clairement accepté une telle déclaration. Le silence ne suffit pas. Une manifestation positive d'acceptation est exigée, comme le montre par exemple l'affaire de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne, dont la chambre de la cour a rappelé dans Golfe du Maine qu'elle ne constituait pas, je le cite, un précédent valable. L'acquiescement y a joué un rôle, mais pour le lui reconnaître, la Cour s'est fondée sur des déclarations expresses du Nicaragua et sur un comportement qui s'était prolongé fort longtemps, ce qui n'est pas le cas en la présente affaire. Fin de citation. On ne peut pas attribuer à la légère, au silence, les effets radicaux que lui attribue le Kenya. Et cela est tout particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'abandon ou de transfert de la souveraineté territoriale ou de droits souverains. Certes, comme le Kenya l'a relevé dans sa duplique bis, vous avez admis dans Pedra Branca qu'un changement du titulaire de la souveraineté pourrait résulter d'un accord tacite et, je vous cite, découler du comportement des parties. Mais vous avez aussitôt souligné que, je vous cite à nouveau, si le droit international impose à cet égard une forme particulière, il met en revanche l'accent sur les intentions des parties. Et un peu plus loin, dans un passage que le Kenya se garde de citer, la Cour insiste, je lis,
ce passage un peu long, un point déterminant pour l'appréciation que fera la Cour du comportement des parties tient à l'importance de premier plan que revêtent en droit international et dans les relations internationales la souveraineté étatique sur un territoire, ainsi que le caractère stable et certain de cette souveraineté. De ce fait, tout changement du titulaire de la souveraineté territoriale, fondé sur le comportement des parties, doit se manifester clairement et de manière dépourvue d'ambiguïté au travers de ce comportement et des faits pertinents. Cela vaut tout particulièrement si ce qui risque d'en découler pour l'une des parties est en fait l'abandon de sa souveraineté sur une portion de son territoire. Accepter la thèse du Kenya, ce serait admettre qu'une proclamation unilatérale vaut injonction de réagir dès sa notification internationale, à défaut de quoi le contrevenant serait présumé lié. Madame la Présidente, un accord est indispensable pour délimiter une frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime d'ailleurs. Mon camarade de Philippe Sands montrera qu'un tel accord tacite ou a fortiori express est introuvable dans notre avenir. N'est pas à dire, mesdames et messieurs les juges, que jamais, quelles que soient les circonstances, une délimitation ne pourrait résulter d'un accord tacite. Mais bien qu'il n'y en ait pas trace dans notre affaire, j'ajoute tout de même pour surplus de droit que les conditions nécessaires à l'existence d'un tel accord en matière de délimitation sont particulièrement strictes. La jurisprudence sur ce point est bien établie, selon la célèbre formule de la Cour dans son arrêt du 8 octobre 2007 dans Nicaragua contre Honduras, que je cite également. Les éléments de preuve attestant l'existence d'un accord tacite doivent être convaincants. L'établissement de frontières maritimes permanentes est une question de grande importance et un accord ne doit pas être présumé facilement. Et l'absence d'un écrit rend pour l'État qui invoque un accord tacite la preuve de son existence particulièrement difficile. Une affaire récente que vous connaissez bien met en évidence l'importance toute spéciale d'un écrit comme preuve d'un accord tacite. Dans Pérou contre Chili, la Cour a constaté l'existence d'un tel accord. Mais pour ce faire, elle se fondait sur le texte d'un traité qui reconnaissait expressément la préexistence d'une frontière maritime approuvée par les deux parties. Elle a jugé que cet instrument était un élément décisif, ayant pour objet de consacrer l'accord tacite intervenu entre les parties auparavant. Ainsi, c'est un accord tout à fait express qui a fourni la preuve de l'accord tacite. On pourrait renvoyer aussi à Pedra Branca, par exemple. Dans notre espèce, le Kenya ne s'aventure pas à prétendre qu'il existerait une preuve écrite d'un acquiescement. Mais il affirme que, et je le cite également en anglais, « There is no question that a state opposed to the claims of another state, especially when it affects its sovereignty and sovereign rights, must protest if it wants to prevent acquiescence. » Fin de citation. Le silence, entendu comme absence de protestation, serait constitutif d'un acquiescement dès lors que la prétention de l'autre partie serait publique. Toujours selon le Kenya, mere constructive knowledge is sufficient for acquiescence. Je ne sais pas très bien ce qu'est un mere constructive knowledge, mais je sais que la simple connaissance, d'ailleurs fort incertaine en l'espèce, d'une position, ne saurait en la matière en tout cas valoir acquiescence. Contrairement aux affirmations du Kenya, c'est à la partie qui invoque un accord tacite et non à celle qui en nie l'existence d'en établir la réalité. L'exigence contraire ferait peser sur celle-ci l'obligation d'apporter une preuve négative à peu près réalisable
de son inexistence, de sa non-existence. C'est au Kenya qu'il appartient de prouver, par des éléments positifs, le consentement de la semaine. La manifestation univoque de l'accord de celle-ci au tracé de la frontière qu'il invoque. Le Kenya fait grand cas de l'accord qu'il croit déceler ou qu'il veut croire déceler entre les parties en ce qui concerne les conditions auxquelles doit répondre un acquiescement au prétexte que toutes deux se réfèrent à la définition qu'en a donnée le tribunal arbitral dans l'affaire de la délimitation frontalière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Excusez-moi. C'est oublier d'abord que, comme nous y avons insisté dans notre réplique, et comme je viens de le rappeler, l'acquiescement n'est pas un mode de délimitation maritime retenu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais même si l'on fait abstraction de la Convention, ce qui ne serait guère acceptable, le Kenya dénature complètement les conditions énoncées par le tribunal Érythrée-Éthiopie et s'appuie sur une jurisprudence sélective qu'il interprète de manière fort tendancieuse. La jurisprudence est claire et bien établie. Comme on l'a fermement souligné, l'acquiescement ne se nourrit pas uniquement d'une absence de réaction, il doit se traduire par des actes positifs. Dès 1969, dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, la Cour a souligné que lorsqu'un État ne manifeste pas d'opposition, il ne saurait pour autant être présumé avoir acquiescé sur la base de son seul silence qui pourrait revêtir une multitude de significations. Somme toute, avez-vous dit, il semble à la Cour, qu'aucun des faits invoqués n'est décisif, tous sont en fin de compte négatifs ou non concluants, tous se prêtent à des interprétations ou explications variées, même si la République fédérale n'était pas expressément opposée au principe énoncé à l'article 6 de la Convention, une constatation d'un caractère aussi négatif ne permet certainement pas de tirer la conclusion positive que, sans être partie à la Convention, la République fédérale avait accepté le régime de l'article 6 de façon à se lier. Dans l'affaire Tunisie-Libye, la première dans laquelle s'est posée la question de l'inexistence d'un accord tacite, la Cour s'est refusée à voir un accord tacite définitif dans des activités de pêche menées de part et d'autre d'une ligne séparant les bancs d'éponge, et des deux parties fixées par l'Italie dans son droit interne et respectées par la Tunisie. En effet, avez-vous dit, les éléments relatifs à un tel modus vivendi reposaient uniquement sur le silence ou l'absence de protestation des autorités françaises responsables des relations extérieures de la Tunisie. De même, dans l'affaire du Golfe du Maine, la Chambre n'a pas fait droit à la prétention du Canada fondée sur le silence gardé par les États-Unis vis-à-vis des prétentions canadiennes. Et de même encore, dans Libye-Malte, Malte avait expliqué dans ses écritures qu'elle avait, je cite, « informé la Libye de son intention de délimiter son plateau continental au moyen d'une ligne médiane » et que celle-ci avait longtemps gardé le silence devant la revendication maltaise. Malte voyait dans ce silence la preuve d'un acquiescement de la Libye qui l'empêcherait, en droit comme en fait, de contester la position maltaise. La Cour a écarté ce raisonnement. La sentence arbitrale rendue dans l'affaire opposant Terre-Neuve et le Labrador à la Nouvelle-Écosse, mentionnée avec quelques désinvoltures par le Kenya dans sa duplique bis de la semaine dernière, est également riche d'enseignements. Le tribunal s'est inspiré des décisions de la Cour pour souligner que, je le lis, et cette sentence n'existe malheureusement pas en français, « In maritime boundary cases, it has often been argued that the parties have by conduct established a particular line or
or consolidated some aspect of a maritime boundary. Such arguments have always been treated as admissible and have been carefully considered. But it must be said that more often than not, they have been rejected, either because the conduct did not relate to the area in question, or was merely unilateral, or was performed vis-à-vis a third party, or was an exercise in self-restraint to avoid aggravating the dispute, or was equivocal. Dans cette même sentence, le tribunal affirme que, je le cite à nouveau, in order to establish that a boundary not settled or determined by agreement has been established through conduct, it is necessary to show an unequivocal pattern of conduct as between the two parties concerned relating to the area and supporting the boundary. End of quote. Et pour cela, le tribunal a relevé notamment que la Nouvelle-Écosse et le Labrador avaient expressément accepté, expressly accepted, la méthode de délimitation retenue. Le Kenya s'appuie essentiellement sur quatre affaires, et je suis un peu confus, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, de vous infliger petite analyse jurisprudentielle. Mais il insiste tant qu'il m'a paru difficile d'y échapper. Donc sur quatre affaires, celle de Pedra Branca, que j'ai mentionnée il y a quelques instants à un propos voisin, celle relative au temple de Préaviar, les décisions rendues dans le différend entre l'Érythrée et le Yémen, et la sentence arbitrale du 22 décembre 1963 concernant l'interprétation de l'accord franco-américain relatif au transport aérien international. Il est guère nécessaire de discuter cette dernière affaire qui ne portait ni sur un problème de frontières, ni sur une question de souveraineté territoriale. En outre, l'élément décisif qui a conduit le tribunal arbitral à reconnaître l'existence d'un accord tacite était que le consentement de la France avait été donné dans le cadre d'une négociation et s'était traduit par une lettre formelle, donc un acquiescement express et écrit, dont l'interprétation logique était confirmée par la pratique subséquente des parties. De même, s'agissant de Pedra Branca, la Cour disposait d'éléments précis et express, pas tacites. La correspondance de 1953 entre Singapour et Johor, établissant que ce dernier considérait que, je cite, « la souveraineté sur Pedra Branca, Pulau Batu Patu, putain, ne lui appartenait pas. Ces circonstances n'ont que des rapports lointains avec notre affaire. » En outre, il s'agissait non pas de délimitation maritime, mais d'une affaire de souveraineté sur des formations insulaires, donc terrestres. Sans doute, les principes applicables sont similaires, notamment pour ce qui est du seuil probatoire très élevé pour établir un abandon de souveraineté ou de droit souverain. Mais alors que l'occupation d'un territoire terrestre, quand bien même il s'agit d'un îlot, est quelque chose de tangible et facilement observable, il en va très différemment s'agissant des effectivités maritimes. En outre, le Kenya est d'autant plus malvenu à reprocher à la Somalie de n'avoir pas protesté contre les empiétements aux droits souverains de celle-ci dont il s'est rendu responsable. Il insiste abondamment, non sans complaisance, sur l'aide apportée à son voisin affaibli par la guerre civile, y compris pour tenter d'assurer sa sécurité maritime. Le Kenya le reconnaît par la bouche même de son agent, qui contredit d'ailleurs le témoignage du général Kibwana. Je cite l'agent du Kenya. Somalia, the Kenyan agent, said, as Somalia has only recently began to emerge from a long period of instability caused by civil war, humanitarian disaster, and widespread terrorism. In particular, listen to that, in particular, Somalia has no maritime enforcement capacity. Somalia has not
no maritime enforcement capacity, said the Kenyan ag agent. Et elle en est assurément dépourvue de cette maritime enforcement capacity. Et elle en est assurément dépourvue jusqu'à en tout cas une période très récente. Il est difficile au Kenya de prétendre en même temps que la Somalie aurait manqué de vigilance en laissant les tentatives kenyanes de captation de ses droits souverains sans réponse. Les circonstances sont très différentes de celle relevée dans la sentence Érythrée-Yémen de 1998, dont le Kenya semble faire grand cas. J'ajoute que les effectivités sont susceptibles de prendre d'autant plus d'importance s'agissant de la délimitation des frontières terrestres qu'il n'existe pas de règles généralement applicables en ce qui concerne la délimitation terrestre, alors qu'il en va différemment s'agissant des frontières maritimes. Les règles sont clairement fixées, il faut un accord, et ces règles ne peuvent être contournées par la création d'un fait accompli. L'analogie entre notre affaire et celle du temple n'est pas plus convaincante. Contrairement au Siam, la Somalie n'a pas participé à l'élaboration conjointe d'une carte établissant sa frontière maritime avec le Kenya. Elle a certes reçu en 2008, lorsque la guerre civile atteignait un sommet de violence, copie d'une carte établie unilatéralement par celui-ci. Cette carte était annexée à une note verbale par laquelle le Kenya insistait pour que la Somalie donne son accord aux frontières maritimes entre les deux États. Mais l'épisode ne saurait être comparé aux multiples occasions dans lesquelles le Siam avait reçu très officiellement les cartes qu'il contesta 50 ans plus tard. Enfin, et surtout, il faut croire que, contrairement au Siam, la Somalie a contesté ce tracé, puisque dans le MOU, Memorandum of Understanding, signé moins d'un an plus tard, les deux parties conviennent que, et je cite, the delimitation of the continental shelf between the Republic of Kenya and the Somali Republic has not yet been settled. This unresolved delimitation issue between the two coastal states is to be considered as a maritime dispute. Et de nouveau, lors des négociations qui se sont tenues à Nairobi en 2014, à l'initiative du Kenya, les deux délégations ont dû constater que, je cite, communiqué commun, after considering several options and methods, including bisector, perpendicular, median and parallel of latitude, they could not reach a consensus on the potential maritime boundary line acceptable to both countries to be adopted. Le Kenya s'appuie également sur une phrase incidente qu'il extrait de l'arrêt que vous avez rendu sur les exceptions préliminaires dans notre affaire. Vous aviez relevé que la Somalie n'a jamais informé le Kenya qu'il existait à son sens un quelconque vice de son consentement à être lié par le mémorandum d'accord du 7 avril 2009. Mais il y a un monde entre invoquer la nullité d'un traité conclu entre deux États et procéder tacitement à une délimitation maritime. Et les autorités doctrinales, tout aussi rares qu'invoque le Kenya, ne lui sont pas d'un plus grand secours. Elles sont vagues et générales et n'ont guère de lien avec l'affaire qui nous occupe. Je ferai cependant une exception en ce qui concerne l'article d'Herschel Otterpart, peut-être parce que c'est pour moi un des plus grands auteurs au nom international, l'article d'Herschel Otterpart concernant la souveraineté et sur les espaces sous-marins, à la fois à raison de l'éminence de cet auteur et de la relative insistance avec laquelle nos adversaires l'invoquent. Et pourtant, pas besoin de s'y attarder, l'objet de cet écrit, qui date de 1950, était de justifier la licéité des proclamations américaines et britanniques sur le plateau continental, notamment en invoquant l'absence d'opposition de principe de la part des autres États.
ce qui n'a pas empêché l'auteur tard de rappeler que ab injuria jus non oritur, une maxime dont on ne saurait trop souligner l'importance dans notre affaire. Mais comble donc au Kenya de prouver non pas que la Somalie est restée silencieuse, mais bien qu'elle a accepté sa revendication unilatérale, fût-ce de manière tacite. Et cette acceptation doit être claire, dépourvue d'ambiguïté, et au moins pouvoir se déduire sans l'ombre d'un doute du comportement somalien. Cette exigence d'une acceptation, c'est-à-dire d'un acte positif, ne laissant aucune place au doute, résulte d'une jurisprudence, elle aussi parfaitement claire et constante, qui n'est pas limitée à la délimitation maritime, mais y est particulièrement bien affirmée, et qui remonte au moins à l'affaire du plateau continental de la mer du Nord. Comme l'écrit Charles de Vichère, une notification peut ne susciter aucune réaction. Le destinataire peut garder le silence sans que l'on soit autorisé à en déduire une conséquence juridique à son détriment. On ne peut obliger les États à protester invariablement contre toutes les inductions par le calcul, que le calcul politique peut attribuer à leur silence. Fin de citation. Au demeurant, non seulement le silence ne suffit pas, mais la conjonction même des comportements des deux parties, qui auraient pu sembler complémentaires et convergents, n'a jamais emporté la conviction des cours et tribunaux internationaux lorsqu'ils ont été appelés à se prononcer sur l'existence d'un accord tacite supposé établir une frontière maritime. Aucun n'a vu dans de tels comportements la preuve d'une conduite suffisamment claire, cohérente et persistante pour constituer un acquiescement. Même face à une conduite de ce type, ils ont considéré que la ligne de facto en résultant revêtait davantage le caractère d'une ligne provisoire ou d'une ligne à vocation spécifique limitée, telle que le partage d'une ressource rare. Même s'il y avait eu une ligne provisoire jugée utile pour un certain temps, cela n'en ferait pas une frontière internationale, avertit la Cour dans Nicaragua contre Honduras. Et moi, c'est long. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence que la constante des comportements des deux parties, même étalée sur une longue période de temps, ne suffit pas à attester d'un accord. Ceci résulte également d'un autre élément de l'affaire du plateau continental Tunisie-Libye. Cette dernière, la Libye, avait aligné ses concessions pétrolières sur celles tracées auparavant par la Tunisie. Et les deux États avaient respecté cette ligne de facto à la fois pour la prospection sismique et pour la réalisation de nombreux forages, sans protestation aucune de la part de l'autre partie. Malgré cette conduite, la Cour n'en a pas moins conclu que cette ligne ne lui paraissait pas remplir les conditions qui la rendraient opposable à l'autre partie. De même, dans Libye-Malte, dans l'arrêt Libye-Malte de 1985, la Cour rejette l'argument de cette dernière selon lequel, la ligne commune des concessions frontalières était, je cite, « un type de comportement suffisamment net pour constituer soit un acquiescement, soit une indication utile des vues de l'une des parties sur une solution équitable ». Fin de citation. Dans Nicaragua contre Honduras, enfin, après avoir constaté qu'à certaines périodes, le 15e parallèle semble avoir joué un certain rôle dans la conduite des deux parties, la Cour s'est refusée à en conclure qu'il existait une frontière maritime internationale juridiquement établie entre les deux États. Et plus récemment, dans l'affaire de délimitation maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire devant une chambre du TIDM, l'État requérant se prévalait d'une frontière maritime tacite respectée pendant 5 décennies et valable pour l'ensemble des espaces maritimes des parties. Pour ce faire, le Ghana se fondait principalement sur la pratique pétrolière des parties
et plus précisément sur les concessions octroyées par les deux États, les levées sismiques, les activités de forage et les cartes de concessions pétrolières. Ghana avait aussi montré que les concessions octroyées étaient alignées sur une ligne d'équidistance que, je cite, « chaque État avait confiné ses activités pétrolières à la zone qui se trouvait de son côté de cette ligne » et que, je cite toujours, « chacune a préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'autre avant de franchir la dite ligne pour procéder au lever sismique. » Malgré l'abondance, c'était la fin de la citation, « malgré l'abondance, la concordance et la variété de ces preuves, la Chambre spéciale a considéré que la pratique pétrolière, aussi constante soit-elle, ne suffisait pas en elle-même à établir l'existence d'un accord tacite sur une frontière maritime. Elle n'a pas davantage été convaincue par les autres éléments invoqués par le Ghana. La Chambre a considéré que les législations des deux parties, les demandes déposées auprès de la CNPC et les échanges bilatéraux entre les deux États ne permettaient pas d'établir l'existence d'un accord frontalier tacite. Madame la Présidente, sans vouloir empiéter sur la démonstration factuelle qui revient à Philip Sands, je note que pour apprécier la portée juridique du comportement de la partie somalienne, certains précédents présentent une importance particulière. C'est le cas, par exemple, des affaires durant lesquelles il est apparu que les parties avaient mené des négociations en vue de la délimitation de leurs espaces maritimes. Et ainsi toujours, dans Ghana contre Côte d'Ivoire, la Chambre spéciale du TEDM a relevé, je le cite, que les parties reconnaissent toutes deux que des échanges bilatéraux ont eu lieu, mais divergent quant à leur teneur exacte et à la portée qu'il convient de leur accorder dans le présent différent. De l'avis de la Chambre spéciale, le simple fait que ces échanges aient eu lieu est significatif, car il montre que les parties ont reconnu la nécessité de délimiter la frontière maritime qui les sépare. Et la Chambre spéciale de conclure, les négociations bilatérales qui se sont tenues ultérieurement au sein de la commission de délimitation de la frontière maritime de 2008 à 2014 confirment que les parties reconnaissaient l'absence de frontière maritime entre elles. Dans Nicaragua contre Honduras, la Cour a noté que ce dernier a accepté, dans un échange de notes de 1977, d'engager les étapes préliminaires des pourparlers en vue de la délimitation définitive de la zone maritime et sous-marine dans la région de la mer des Caraïbes. Et par une note de 1982, le ministre des Affaires étrangères du Honduras convenait avec le ministère des Affaires étrangères du Nicaragua que la frontière maritime entre le Honduras et le Nicaragua n'avait pas été délimitée en droit. Selon la Cour, qui se référait à l'affaire des Minquiers et Écréous, cette reconnaissance devait donc être considérée comme la preuve des vues officielles du Honduras à l'époque. Ayant examiné l'ensemble de cette pratique, dont les échanges de notes diplomatiques subventionnés, la Cour conclut qu'il n'existait pas en 1982, ni a fortiori à une quelconque date postérieure, d'accord tacite entre les parties, de nature à établir une frontière maritime juridiquement obligatoire. De même, dans l'affaire Bangladesh contre Bangladesh-Myanmar, Le TIDM a conclu d'une note verbale du Myanmar adressée au Bangladesh, précisant que les parties n'avaient pas encore délimité leurs frontières maritimes, que les éléments invoqués par le Bangladesh, qui plaidaient une pratique constante suivie pendant plus de 30 ans, ne démontraient pas l'existence d'un accord tacite ou de facto sur la frontière de la mer territoriale. De tout ceci, il résulte que, premièrement, même une pratique constante et mutuelle pendant une longue période de temps ne suffit pas à prouver l'existence d'une frontière maritime tacite. Deuxièmement,
Des échanges de notes, des échanges, pas des envois restés sans réponse. Des échanges de notes où la conduite de négociations ont un poids important dans la mise en balance des éléments de preuve présentés par les parties aux différends. En revanche, troisièmement, le silence gardé par l'un des États intéressés n'est pas suffisant pour conférer le statut d'accord tacite à un modus vivendi, même durable, sur le terrain, ni a fortiori aux décisions unilatérales prises par l'autre État. Et du reste, quatrièmement, si le temps peut jouer un certain rôle dans l'établissement d'une frontière tacite, il doit se conjuguer avec les circonstances de l'affaire et le comportement actif ou l'inaction des parties. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de twist ou de hip-hop que l'on peut danser tout seul, mais de tango dominé par les pas de deux. Non seulement la conduite de la partie de Membrez doit être constante et cohérente, mais elle doit être reflétée à l'identique par celle de l'autre partie. Comme mon collègue et ami Philippe Sand va maintenant le montrer à nouveau, si vous voulez bien lui donner la parole, peut-être sera-ce après la pause si le juge se le temps idoine. Donc comme Philippe Sand va le montrer, les proclamations unilatérales et plus généralement l'attitude du Kenya n'ont ni la signification ni la constance exigées en la matière. Il en va de même des comportements sporadiques de la Somalie qu'invoque le Kenya, qui n'ont ni la signification ni la constance exigée en la matière. Mesdames et messieurs les juges, je vous remercie vivement pour votre longue attention. Madame la Présidente, puis-je vous demander d'appeler le professeur Philippe Sand à cette barre habituelle maintenant ou plus tard? Je vous remercie. I thank Professor Alain Pillay. Before I invite Professor Sands to take the floor, the court will observe a coffee break of 15 minutes. The seating is adjourned.